Bonjour amis Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour découvrir vos énergies de ce début de semaine, vos énergies de ce 24 janvier. Allez, c'est parti, on va découvrir vos cartes ensemble. Oh, on commence avec la carte de l'amour et la carte de l'univers. Oh là là, la carte de l'hiver. Oh, ici, c'est doux. Ici, c'est doux, c'est beau, vous êtes connecté à Dieu, à la source, peu importe le nom que vous donnez à Dieu. Ici, vous êtes connecté, vous avez vraiment cette magnifique guidance divine qui vous aide à sortir d'un cycle. Vous êtes sur la fin d'un cycle, il y a quelque chose ici de nouveau qui s'annonce pour vous, quelque chose ici qui va vraiment, qui est de l'ordre de l'amour inconditionnel, cet amour inconditionnel pour vous, pour les autres, pour votre travail, pour l'endroit où vous vivez. C'est vraiment l'amour sous toutes ses formes ici, l'amour inconditionnel. Ici, on a une opportunité. Il y a ici une opportunité, une solution qui arrive. C'est beau. Vous êtes guidé, hein, vraiment, par rapport à une épreuve. Il y a ici quelque chose qui vous faisait un peu obstacle, hein, qui représentait quelques difficultés pour vous. Vous allez passer sans problème cet obstacle et cette difficulté. Vous allez vers l'équilibre. Vous êtes dans l'équilibre, dans l'harmonie. C'est l'accord parfait. Moi, je pense qu'ici, on est vraiment sur un tirage qui nous dit que ça va très, très bien pour vous, que ce soit au niveau professionnel ou que ce soit côté cœur. Ici, on est vraiment sur quelque chose de l'ordre de l'ouverture. J'ai l'impression qu'on ouvre le bal, hein. C'est vraiment ce que je ressens. J'ai l'impression qu'on ouvre le bal. On a ici des petites souris au niveau professionnel. Alors, les petites souris, c'est la fatigue, c'est le stress. Mais on est sur la fin d'un cycle, d'accord ? Il y a une clé ici, il y a une solution, il y a une opportunité et surtout l'équilibre qui vient après l'épreuve. Ces petites souris, je pense qu'elles sont en train de partir. Regardez, ici on a l'anneau. L'anneau dans un oracle du petit Lenormand, c'est le oui. Hein, le oui tout simplement à ce que vous souhaitez. C'est l'accord aussi, c'est l'union, le partenariat. Pour certains, vous allez peut-être aussi signer des contrats. Et ici, on a une lettre. Donc effectivement, ici, il y a quelque chose de l'ordre d'une nouvelle positive pour vous. Quelque chose ici, qui une nouvelle ici qui vient tout simplement, qui est positive, qui vous dit oui, qui vous dit on va signer, on va s'engager, on va faire ça ensemble tout simplement. Donc voilà, les petites souris s'en vont, elles s'en vont, le stress terminé parce qu'ici on a cette nouvelle qui vient apporter un éclairage nouveau au niveau professionnel. Allez, on va aller voir côté cœur à présent. Côté cœur, on a la rupture. On a la patience. Et on a le conte de fées. Ici, la rupture, c'est le fait de lâcher prise, hein, c'est le fait d'abandonner. Alors, on abandonne ce qui nous freine, tout simplement. On est ici avec l'amour inconditionnel. Donc, cette carte, elle prend une dimension de je lâche prise. Je lâche prise sur ce contrôle que je veux exercer en permanence. Ici, je me laisse aller, tout simplement. Je profite d'un petit peu de douceur. Avec la carte de la patience, on prend son temps, on ralentit le rythme. Et avec le conte de fées, ben, on a tout simplement la tête dans les nuages. Ici, c'est vraiment des énergies de douceur pour vous, amis Gémeaux. J'ai l'impression qu'on prend son temps, vraiment. On a besoin de prendre du temps pour soi. On a besoin de prendre du temps pour les gens qu'on aime. Et j'ai l'impression qu'en ce début de semaine, eh bien, on va justement, de toute façon, je vois qu'on est soulagé au niveau professionnel, on va pouvoir prendre son temps, respirer un petit peu aussi côté cœur. Voilà pour vous, amis Gémeaux, vos énergies de ce 24 janvier. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.